Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément. Pour information, nous utilisons l'outil Sheeta de la plateforme Budroll hein, pour faire de la création de sites internet. Donc, l'élément dont nous allons parler aujourd'hui, c'est iframe. Pour cela, on va aller chercher les éléments. Donc, vous cliquez sur Ajouter, éléments, et vous aurez toutes ces fonctions. Et là, ici, on a iframe. Get response, bon, ça, c'est une fonctionnalité, on ne va pas en parler dans ce tuto. C'est assez particulier, c'est pour utiliser l'autorépondeur GetResponse. Donc là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est iframe. iframe, c'est quoi? Ça sert à quoi? En fait, c'est une fonctionnalité qui vous permet d'importer d'autres sites que vous pouvez afficher sur votre site internet. Et puis, après, vous pouvez également importer des codes. Ça vous permet, par exemple, d'importer. Vous pouvez récupérer des informations de Facebook que vous pouvez afficher également sur votre site. Ça vous permet de faire pas mal de choses. Alors, donc, comment ça se passe? Juste pour vous donner une idée, je vais aller sur le site de l'agence. Je fais ça, copier, tac, je remonte ça. Je reviens là et je vais dessus. Je clique sur ce crayon et je vais là. Je vais mettre mon code, mon lien par exemple. Je fais coller, je fais appliquer. Je fais enregistrer et déjà vous voyez hein, que ça apparaît comment ça s'apparaît sur comment ça apparaît sur le site. Ok, donc là par exemple là, je fais ça. Donc ce qui est embêtant étant donné que la page elle est très longue, il y a la barre de scroll à côté. Ok, voilà, moi j'aime pas trop tout ce qui est scroll sur scroll, j'aime pas trop, ça m'agace. Mais bon, des fois on peut pas plus que ça. Mais je pense que sur certaines des fois il y a des iframes qui s'élargissent en fonction du en fonction du contenu qu'il y a dedans. Bon, je vais là et si je recharge cette page, vous allez voir notre iframe qui apparaît. Ok, avec le scroll là qui est là et puis l'autre scroll de la page principale. D'accord, ça c'est l'idée de l'iframe. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec ça, ou plutôt quelles sont les autres fonctionnalités? Bon, disquette, c'est pour enregistrer l'élément. Ici, c'est pour accéder aux autres fonctionnalités. Superposition, ça c'est les fonctions de superposition. Pour centrer sur la page, pour dupliquer, pour cacher, pour supprimer. Donc, si on va regarder les autres fonctionnalités, on va regarder les fonctionnalités un peu plus en détail. Donc, on est dans réglages généraux. Réglages généraux, je peux mettre mon iframe en pleine largeur. Ok, je peux mettre activer HTML en ligne. Bon, je ne sais pas vraiment la différence, ce que je ne sais pas ce que ça apporte au fait le HTML en ligne. Donc, je l'ai pas vraiment testé, donc je ne pourrais pas vous informer un peu plus là-dessus. Mais n'empêche que vous avez la possibilité de mettre soit un lien, soit un code, d'accord? Et ça va faire pareil. Donc tout dépend ce que vous avez. Si vous avez un lien, vous ramenez le lien. Si vous avez un code, vous le mettez là, ok? On fera le test tout à l'heure avec Google Maps. Ou peut-être dans un autre tuto avec Google Maps. La taille, donc la taille, vous pouvez régler ça ici hein, avec les curseurs. Mais moi d'habitude, ce que je fais, c'est de le faire manuellement parce que c'est un peu plus pratique pour moi de le faire manuellement. Okay. De le dimensionner en fonction de ce que je veux faire. Donc voilà, c'est facile à faire. Donc il y a la taille. Taille minimum, donc taille minimum, au fait, c'est le minimum en quoi. Ouais, c'est la taille minimum. Il y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Dans le prochain tuto, au fait, je vais vous parler des autres fonctionnalités de l'iframe. Ok, si on a le temps, on fera aussi un test là-dessus. Donc, pour ceux qui aimeraient créer le site internet eux-mêmes, nous avons mis en place au niveau de l'agence web AWDE une formation gratuite. Pour cela, je vous invite à aller sur notre page web, notre site internet awde.fr, scroller jusqu'au milieu de la page et vous aurez un bouton, c'est marqué je commence ma formation. Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir le faire. Nous sommes une agence web, donc ça me ferait plaisir de créer votre site internet ou de gérer vos campagnes marketing hein, sur internet, que ce soit Google Ads ou Facebook Ads ou autre. Donc pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter en nous envoyant un formulaire en cliquant sur ce bouton ou envoyez-nous un mail à cette adresse ou appelez-nous directement. N'oubliez pas hein, de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube ou.
ou LinkedIn en tapant agence web AWDE. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.